Alors, salut les gars. Alors, est-ce que le son est bon? Parce que ça fait longtemps que j'ai pas allumé la machine. Si vous pouvez me faire un petit retour, parce qu'il y a peut-être des petits réglages, ça fait longtemps. Salut Rémi, salut Tidus. Eh ouais, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps, ouais, c'est sûr. Ça faisait longtemps. Alors si tout est ok, vous me faites juste un petit signe dans le chat parce que peut-être y avoir des bugs, hein. Je m'en rappelle plus trop là. Donc du coup. Normalement, ça devrait être bon. Enfin, je pense. Non, j'ai pas changé la cam. Tu veux dire la cam, celle-ci, quoi. Nickel, ok, merci. S'il y a le moindre truc et tout ça. Bon, là, des fois, ça bouge un petit peu, la caméra, alors, je sais pas trop. Peut-être un réglage, des fois, l'objet. Ça suit un peu, mais. Ou c'est ma table qui bouge, parce que ma table, c'est une toute petite table qui fait 1 mètre. Ah ouais, non, j'ai fait juste un petit réglage tout à l'heure de. Tu sais, pour avoir un peu mieux l'image parce que c'était un peu sombre. Mais non, non, non. Ça. Ok, bon, alors le son est bon. Bon, j'espère que vous allez bien, les mecs. C'est vrai que ça fait longtemps. Alors bon, manque de temps, les beaux jours arrivent. Donc voilà, j'ai fait un petit break. Des fois, je faisais un petit peu de maquette. Bon, je continue à faire de la maquette, mais. Mais voilà, c'est sûr que pour les lives et tout ça, j'en ai pas fait, presque pas du tout même. Donc voilà. Donc là, j'ai remis un petit peu, j'ai dit tiens, je vais aller sur Twitch parce que je payais une figurine là que je vais continuer, là, un 35. Et pour un petit projet. Et du coup, voilà, j'ai dit tiens, bon, vas-y, je vais la continuer. Bon, j'avais commencé un peu dans mon coin là, seul, parce que bon, j'avais envie de peindre. Et puis bon, bah des fois, voilà. On prend le truc et puis on se pose quand c'est pas prévu. Donc problème des lives, c'est que voilà, faut anticiper un peu le truc, machin et tout ça. Donc là voilà. J'ai dit bon bah vas-y, on est dimanche, hier je suis sorti, fait la fête, tout ça, je vais rester calme. On va remettre un petit peu et puis histoire de pas perdre la communauté, et pour dire que je suis toujours vivant aussi, parce qu'il y a un peu mal de messages, ouais, c'est dommage, machin et tout ça, mais bon, c'est vrai que voilà, quand je vous dis. Un petit peu le temps et parfois manque de temps. Manque de temps et puis pas mal de petits projets à droite à gauche. Donc voilà, alors on attend un petit peu, voir si tout fonctionne en même temps. Ok. Je regarde à gauche, à droite. Ok, bon bah écoutez, hein. C'est parti, hein. Donc là je vous explique ce que j'ai commencé à faire. En fait, j'ai acheté un set de figurines de chez D-Day parce que j'avais un de chez D-Day Miniature parce que j'avais un stock. Bon, j'ai du stock de maquettes, j'ai regardé les maquettes. Bon, il y a toujours le MATV, tout ça. Puis j'avais besoin un petit peu de faire autre chose. Donc j'ai dit, bon, je vais voir ce que je peux faire. Alors, je vais vous montrer. Alors, j'ai pu mettre une petite image. Alors, est-ce que c'est celle-ci? Voyons voir. En même temps, vous me direz. Non, bah ouais, on peut pas prévenir sur. On peut pas trop prévenir en fait. Je sais pas trop comment on fait là. Faudrait que je regarde sur Twitch pour mettre. Si on peut faire un programme et tout ça, mais. Mais ouais, sur YouTube j'y arrive, mais pas sur Twitch en fait. C'est. Faudrait que je regarde ça de plus près. Donc là, et puis bon, là, c'est vrai que c'était pas prévu. À l'arrière, je peux prévenir la communauté, machin et tout ça. Là, j'ai dit, bon, je lance le truc tranquillou, histoire de se remettre un peu dans le bain. Panzer 38T. Ah, yes. Ah, bah, ça maquette alors, c'est cool. C'est cool dimanche. Ah, c'est une belle maquette aussi, hein, ce que t'es en train de faire. Et c'est de chez qui là que t'es en train de faire ce. Cette maquette. PZ30. Il y a qui a fait.
pas si chez Atacom ils l'ont sorti, peut-être. Ouais, si, t'as reçu. Ah ouais, chez Tamiya, ouais. Ah oui, j'ai vu qu'ils avaient sorti, franchement, Tamiya aussi font des super maquettes là-dessus. Ouais, tu vas t'éclater, c'est une belle maquette, hein. Franchement, là. Blindé, ouais, il faudrait que je regarde en stock ce que j'ai. Ouais, faudrait, je regarde, il y en a pas mal et tout ça. Mais c'est vrai qu'il faudrait que j'en fasse un Panther. Ouais. Faut que je regarde un peu ce que j'ai dans les archives et peut-être que, ouais, ce serait intéressant aussi de refaire un blindé. Bon, alors là, en fait, la maquette que j'ai, donc là, je vais faire les figurines parce que c'est ce qu'il y a de plus long. Alors, je vais vous montrer. Ouais, c'est vrai que j'ai pas prévenu, j'aurais pu au moins prévenir ça, ouais, c'est vrai, tu vois, j'y pense même pas, c'est vrai que j'aurais pu prévenir un minimum, tu vois, te dire tout ça, donc ouais, j'ai essayé de répondre à droite à gauche pour ceux que, après, bon, on n'avait pas trop posé la question, à part un ou deux, après, entre Facebook, Instagram, YouTube et tout ça, puis bon, j'avais pas le temps, ouais, franchement, j'avais pas le temps. Donc là, je vous explique, j'avais ça en stock, alors attendez, est-ce que c'est cette image-là? Donc voilà. En fait, alors je sais pas si vous voyez, vous me direz, je vais regarder de toute façon sur le live et voilà. Donc en fait, j'avais la Ford en véhicule de chez ICM et j'avais pas de figurines. J'ai trouvé ces figurines-là et du coup, je me suis dit, ça pourrait être sympa. Alors ça, c'est le. Ouais, c'est en première guerre, en plus, ça change un peu. Tu vois, c'est. Les Australiens et tout ça là, et j'ai dit tiens ça peut être sympa du coup pour compléter ce véhicule là que j'ai en stock, j'ai dit bon c'est un petit véhicule, c'est une maquette, voilà, en soi il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Donc là ça c'est le support en fait là, que vous voyez l'image, c'est voilà, c'est ce qu'ils présentent sur sur le set des figurines D-Day. Bon là ils ont fait un petit diorama dans le sable qui est vraiment très sympa, ça m'a attiré donc j'ai dit tiens ça peut être sympa. Après le diorama je sais pas encore, voilà, il y a déjà énormément de boulot juste sur les figurines et puis bon bah voilà je prends mon temps, j'essaie de m'appliquer donc voilà. Puis en plus là je suis revenu à l'acrylique un petit peu, j'ai dit tiens faut que je revienne, ça faisait longtemps que j'avais pas agité les pinceaux donc du coup voilà. Donc mon support en fait il est là et la maquette c'est celle-ci, hop, donc là ça. Je fais ça et je fais ça. Tac. Voilà. C'est pas un vieux modèle, hein. C'est un modèle qui est assez récent. Je crois que bon, c'est pas les dernières de chez ICM qu'ils ont fait. En... Donc voilà. Voilà le petit truc en fait qui pourrait être sympa. C'est vraiment parce que j'avais ça en stock. Et puis voilà, c'est pas. C'est une maquette en soi. Voilà, c'est pas le MATV quoi. Il n'y a pas. Non plus. Il y a moyen de s'éclater, de faire un super truc avec peut-être le moteur ouvert. Peut-être rajouter même des figurines, tout ça. Mais donc voilà. Voilà le petit truc qui peut être sympa. Ouais, ça peut être très chouette. Donc je me suis dit, bon bah tiens, et puis bon, j'avais ça et les figurines, voilà, je les avais. Le temps de se lancer, les monter. Et puis je sais plus, il y a une semaine, j'ai dit, tiens, j'avais un petit peu de temps devant moi. J'ai dit, je vais commencer à la coller, à la prépa. Donc la figurine, donc voilà, ça je vais le retirer. Et puis bon, après au niveau des couleurs, j'aurais pu faire autre chose. Bon, pas sur la maquette parce que ça je ne l'ai pas attaqué. La boîte, on verra la boîte, je vous la montrerai plus tard. Oui, rien à voir. Le MATV, c'est des petits projets à long terme comme ça. Il ne faut pas s'acharner dessus parce que sinon tu fais une overdose et puis j'avais envie de faire autre chose. Donc là, il est de côté. Et puis voilà, petit à petit. Non, non, le MATV, de toute façon, le MATV, comme je disais, même. Quand j'avais commencé, j'ai dit là voilà, je vais en faire peur à plus d'un avec ça parce que c'est pas pour débuter, c'est quand même pas l'idéal. Là, pour débuter, par contre, en revanche, c'est vraiment le top, un petit véhicule comme ça. Et puis c'est sympa, je vous dis, Première Guerre mondiale, ça change un peu. Voilà. Donc moi j'ai utilisé ce support-là en fait pour les couleurs. Après, j'ai fait selon mes teintes, mes mélanges et tout ça. Donc on va l'enlever, tac tac. Donc là c'est bien que je mette des petites photos comme ça, je pense que c'est un peu plus sympa, au moins des fois ça montre là. Tac tac. Donc là on va continuer en fait, hein, je vais vous montrer donc, ce que j'avais commencé à peindre hier ou avant-hier.
la figurine. Et du coup, voilà. Je sais pas si vous voyez bien, vous me direz les retours, si c'est pas. Peut-être zoomer un petit peu. Ok, pas trop parce qu'après ça fout le truc. Donc voilà, là, c'est la figurine, donc ça c'est à l'acrylique, et puis là on va continuer, je vais faire le pantalon, des petits trucs comme ça. Ouais, j'ai fait un petit zoom, ouais, c'était un petit peu loin. Donc voilà. Donc là, ça, comme ça me permet. Bon là j'en fais qu'une, et puis après voilà, je ferai les autres. Donc bon, les visages et tout ça, peut-être qu'on verra. Je vous dis, c'est selon le temps, là, c'est vraiment parce que j'ai un petit peu de temps. Cette semaine, je réfléchis en même temps si cette semaine. Peut-être en semaine, j'aurai peut-être du temps en semaine, mais après ça sera en journée, donc voilà. Oui, j'ai avancé un petit peu, je me suis fait plaisir un petit peu hier, j'ai continué le truc, et puis là on va faire le pantalon. Un petit peu le pantalon et puis les guêtres, on va voir ça. Donc voilà, bon, si vous voyez bien, c'est cool. Donc là, hop, je vais prendre ma palette humide. Palette humide, je vais peut-être la changer un peu. J'aurais. Hop. Ouais, bah tu sais, on progresse, hein. Et puis bon, l'acrylique, j'avais pas, il y a longtemps que j'avais pas fait pris les pinceaux là, donc du coup j'ai dit bon, je vais me remettre à l'acrylique. Mais même pour moi, c'était un peu compliqué. Puis j'ai essayé d'autres, enfin d'autres mélanges avec d'autres filtres, un petit éclairci par là, par là. Puis bon, je me suis dit tiens, ça c'est pas mal aussi. Je vais peut-être, pour aller plus vite, je vais peut-être rester sur ces bases-là avec. Là, pour l'instant, si tu veux, juste pour ça, j'ai utilisé en réalité. Alors, bon, la palette humide, c'est celle d'hier, je crois. Elle est encore là. Puis c'est bien, alors le bleu, j'adore vraiment travailler le bleu là. Et puis, depuis que j'avais fait sur le 65 mm, j'avais commencé un petit peu, du coup, et il y avait eu Magie de de sa chaîne là, qui m'avait dit, ouais, pour faire. Le bleu avec, avec un bleu et un marron et tout ça, c'est vrai que c'est vraiment génial en fait. Et je pense que lui, il en connaît encore énormément. Et donc voilà. Après, pour le t-shirt, quoi, pas pour le t-shirt, mais du moins pour le reste, tu vois, j'avais fait une autre technique aussi. Je me suis dit, je vais faire un pré-éclairci. Donc, tu sais, peindre en noir, en gros, le truc. Et j'ai fait un brossage en blanc, tu vois. Et après, j'ai commencé mon premier filtre avec cette teinte-là. Et puis après, avec du blanc, en rajoutant du blanc, tout ça. Mais ça, bon, vous allez le voir. J'avais déjà vu ça sur le 65 000. Et puis là, bon, là, j'ai fait d'autres couleurs aussi, éclaircies avec. Voilà. Je vais vous montrer là, juste pour entre le visage, en gros. Visage et. Hop, voilà, juste avec le donc visage plus veste et tout ce que j'ai utilisé là, voilà ce que avec en partant de ça, en gros, bon, voilà, c'est juste pour vous dire, voilà, pour la base, voilà, j'avais fait donc après un éclairci, j'étais parti sur ces bleus là avec un mélange éclairci avec du blanc pour le visage. Enfin, pour la carnation, du moins, il m'en manque un. Ah non, oui, il m'en manque un. Il est là. Tac. Donc voilà, une base filtre, base bronzant avec les filtres éclairci, basic skin tone, filtre, et puis après profondeur avec. Voilà, pour le visage, je suis parti juste de ça, et après. Pour la veste, ça et le romarron, ça, en gros, ces trois couleurs. Et pour les cartouchières, la ceinture et tout, je suis parti, voilà, sur un kaki, jaune, ocre, et j'ai repris pour faire des filtres en terre d'ombre, en terre d'ombre. Bon, voilà. Alors je vous lis. Ouais, les ombres sont terribles, mais c'est parce que justement, bon, j'ai pris mon temps et après, voilà, je patauge un petit peu. Donc, enfin, quand je dis je patauge, j'essaye différents filtres, des filtres successifs, en faisant un filtre, un éclairci et très dilué,
Et voilà, donc là de toute façon on va faire ça sur le pantalon. Et donc voilà, donc ouais c'est vrai que ça fait pas mal. Bon après ça reste du 1,35, hein, mais voilà, là vous voyez encore peut-être mieux. Dans l'éclairage. Salut Freeman. Ouais, merci. Mais moi aussi, ça fait plaisir au final. Tu vois, j'avais pas forcément beaucoup de temps. Et puis en plus, il fallait que je relance la machine, machin, et tout ça. Et au final, bah, ça fait plaisir de vous voir, que vous soyez là. Et puis du coup, je me suis dit, oh, il y aura personne. Bon, moi, c'est pas grave. Mais finalement, c'est cool. Avec les notifications, voilà. Huit. Ah ouais, t'as 8 motivés. Ouais, c'est bien, c'est bien. Là, moi, bah là, ça en fait 4, je crois. 4 ou 3, ou je sais plus. Je sais plus. 1, 2, 3, 4, je crois. 4, et puis après, je verrai si j'ai un mécanicien, mais je vais déjà finir celui-ci. Donc là, c'est bien, j'ai mon petit support. Alors, bon, je vous dis, hein, pour le support couleur, à peu près approximatif, mais je suis parti, voilà, sur le. Sur ça. Mais, donc voilà. En gros. Bon là forcément les photos, c'est belles photos, machin, tout est mis en valeur, machin. Mais je pense que voilà, sur le véhicule, on aura un truc qui sera pas trop mal, ça sera sympa. Donc voilà. En gros. Si, il faut que je rajoute sa cigarette. Il y a une petite cigarette entre les mains, mais je sais même pas si je vais la mettre au final. Il n'y a même pas le petit trou. Ou même je voulais la caler dans la bouche parce que j'ai vu qu'il y a un petit creux. Ou mettre une espèce de. Comment ça s'appelle une paille ou du foin, je sais pas. Enfin, voilà. Ok, donc là pour la couleur, donc on est proche du chapeau, je pense, pour le short. La ceinture, je la ferai après parce que elle vient en surface. Tac tac. Elles vont toutes dans le même décor. Tu veux dire. Ouais, les figurines, ouais, elles vont aller sur le véhicule. Ah non, les 8, tu parles pour toi, pardon Rémi. Les 8 que tu fais, ils vont toutes dans le même décor. Ah ouais. Ah, ça va être sympa, ça va faire un sacré truc. Hein. 8 déjà, ça charge. Et moi, comme je disais, ouais, j'en avais parlé, j'aime beaucoup ce style de maquette en fait, où c'est assez compact, il y a moyen de rajouter des trucs, c'est chouette. Ouais, je vais faire le véhicule aussi, hein. Ouais, le véhicule est à monter, la boîte, tu vois, elle est encore dans le colis, j'ai juste ouvert, la boîte, elle est prête, et c'est, bah, je te l'ai montré tout à l'heure, hein, c'est celle-là. Voilà. Ça. Et j'ai ça. Donc là, pour le moment, ça, je l'oublie. Tac. Et là, voilà, j'attaque celui-ci. Que j'ai déjà bien attaqué. Puis après, je vais. Voilà. Je vais faire. Je vais faire après, je sais plus, peut-être celui-ci. Celui-ci, je vais voir. J'ai celui-ci aussi, qui peut être sympa à travailler. Ça me fait travailler les couleurs, donc c'est bien. Et voilà. Donc, let's go. C'est parti. À moins que vous ayez des questions. Pour faire la voie. Ah, les figues, ouais. Les figues, ça, je vous dis, hein, c'est vrai que ça fait. Même dans le milieu général, c'est vraiment le truc le plus. Bah, selon comment on les veut, c'est vrai que c'est le plus compliqué. Hein. Pour moi, c'est le plus compliqué, rien que pour ça. Juste de faire ça, et puis bon, moi je prends mon temps. Après, tu vas de plus en plus vite. De toute façon, il n'y a qu'en travaillant que tu progresses. Hein. Il n'y a rien à faire. Il faut les travailler, il faut se foirer, il faut essayer des trucs. Puis des fois, en séchant, c'est différent et tout. Voilà, c'est un peu. Ouais, la chemise est sympa. Ouais, je suis content de moi. Et puis bon, après, on va voir le reste. Hein. Donc là, est-ce que j'ai encore de la place? Par contre, je vais enlever ça. Hop. Je vais peut-être, par contre là je vais dézoomer parce que sinon pour la palette
humide. Oula, encore dézoomé même. Je sais pas trop par contre si. Des fois c'est chiant de travailler sur les côtés là. Une poussière. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Parce que de toute façon, ça c'est fini. Bon, je vais carrément. Ce que je vais faire, je reviens. Je vais juste remettre un petit. Ouais, je vais le virer ça. J'en ai 30 secondes, les gars. Je vais redécouper un petit morceau et je vais remettre un petit peu d'eau en même temps et je vais remettre sur ma palette humide. Donc là, je fais la pause, mais c'est pas une pause, hein, c'est juste le temps que j'ai coupé. Je reviens de suite. Voilà, c'était rapide. C'était juste le temps de couper mon. Bon, par contre, j'ai été un peu crevard sur ma. Sur le papier. C'est pas grave. J'ai un peu. Été rare. Non, c'est pas grave. Ok. Donc, clac, clac, clac. J'avais dit que je me rappelle de mes couleurs. J'étais parti sur le kaki. C'est ça pour le pantalon. Et vert, ouais. Je pense que pour les guêtres, je vais repartir sur. J'avais utilisé le Russian Uniform. Ça, ce sera pour les guêtres. Mais je vais peut-être faire un mélange pour le de kaki avec un tout petit peu de. Ouais, de réussir l'uniforme pour faire le short. Je regarde un petit peu mes couleurs en même temps. Qu'est-ce qu'il y a qui pourrait se rapprocher du. Je vais partir là-dessus. Je vais partir là-dessus. Je vais pas m'embêter, je vais partir là-dessus. Ça. Ouais, un petit peu court, mais c'est pas grave là, parce que je vais faire le short, les guêtres, le reste c'est fait, donc j'ai pas grand chose et puis j'en remettrai un bout. Bien les remuer. Tac. Oui. Ouais, ça passe. Je vais essayer de voir avec un mélange des deux d'ailleurs. Si ça me plaît ou pas. Si, je vais prendre le marron aussi. Et d'ailleurs, je vais faire pareil comme j'ai fait pour le reste. Je vais même prendre du noir en fait. Je vais faire noir, blanc, brossage à sec, blanc. Et après, je vais passer mes couleurs. On va même faire ça. Comme ça, je vais vous montrer ce que j'avais fait sur les autres. Et je pense que je le ferai de plus en plus ça.
pour vraiment pousser les zones un peu plus profondes. Après, je ne suis pas forcément obligé sur ça, mais je vais quand même le faire comme ça, tiens. Ouais, faudrait. C'est vrai que les vortex, c'est trop bien, hein, le truc. Mais je pense que je vais. C'est vrai que j'y pense pas, mais c'est tellement chiant de secouer comme un fou, là. En plus de ça, mes pots, là, j'ai remarqué. Voilà, j'en étais sûr. Je suis trop embêté parce que le truc, il est resté dedans. Le bouchon, là, il est resté dedans. Trop galère. Et j'arrive pas à le ressortir. Faudrait que je nettoie et tout. J'ai pas eu de chance sur mon noir. Hier, ça m'a fait ça, j'ai pas réussi à le ressortir. J'ai essayé de le tordre même, tu sais, un petit peu le visser pour. Ah, il est bien. Ah. Ah non. Donc ça, c'est la galère. Parce que du coup, je suis obligé de le verser comme ça. Vraiment, enfin, un tout petit peu. Il me faut vraiment une petite goutte. Voilà, avec ça, une. Je suis trop dégoûté, mon noir. Je dois racheter du noir. Je le nettoierai, je le sortirai avec une pince pour le remettre. Ça a collé. Mais ces bouchons, ils sont pas terribles. Chez Valero, c'est un problème, ça. Je trouve que même quand tu les refermes bien, ça chie toujours le truc. C'est pour ça qu'il faut acheter le, comme tu dis, le. Mon eau là. Un petit bout de sopalin. En plus, ça coûte pas très cher, c'est vrai que c'est pratique. Il faut acheter des billes, faut tout le temps acheter. Pas besoin, ça ira. Tac. Bon, là, j'ai mon eau. Je prends mon pinceau lequel j'ai pris. Hein. J'ai pris celui-ci. Ah ouais, c'est trop bien ça. Les décales. Ah ouais, c'est laborieux pour mettre les petits décales là sur les bouteilles. Les petites bouteilles et tout, c'est trop bien ça. Ouais, c'est petit. Hein. Tu m'étonnes. Sur les bouteilles et les canettes. En plus, je sais pas si les décales, ils en mettent un peu plus ou ils mettent pile poil le compte. Il pourrait mettre un peu plus sur les trucs comme ça. Bon là je retrempe bien mon pinceau parce qu'il était un peu trempé. Tac, mettre ça de côté. Virer ma palette sur le. Ouais, avec une petite pince, c'est ça, faut que je le fasse. Bon, là, j'ai pas le temps, je vais pas m'amuser à bricoler ça là, parce que sinon, je vais en foutre partout en plus. Ouais, je vais zoomer un peu là, parce que ça va être un petit peu loin. Hop. Voilà, pas trop non plus, parce qu'après. Oh, ça sert à rien de trop. Ouais, c'est bien. Ça risque de gêner. Bon là c'est comme un filtre, hein, je me prends pas la tête. Enfin si, je fais juste gaffe de pas en foutre. Parce que des fois c'est tellement fin et avec les poils du pinceau ça peut. Comme ça fait ressortir les petites coutures et tout ça. Encore plus donc. Hop. Je fais juste attention quand je fais ça, c'est pas de mettre sur la couleur chair. Alors là, c'est chiant. Après, tu trempes le pinceau, tu rinces bien et aussitôt tu ramasses ça. Peut-être un peu plus poussé.
là ça délicat, donc bien dilué, ça devrait passer. Un petit peu pénible là parce que c'est du côté de la sous la main là. Une petite goutte. On va essayer de voir. S'il veut bien glisser. Peu galère là sous la main là, mais même bien dilué des fois j'ai remarqué c'est tellement fin les gravures, même diluées comme de l'eau ça arrive pas à passer où on veut quoi. Après bon, bien bon, voilà bon, très bien. Ah non, sur la chemise, je la laisse la chemise. J'ai déjà fait des filtres successifs sur la chemise. J'ai juste refait un dernier éclairci, je refais pas de filtre, hein, je le laisse comme il est. Hein. Ah non, les filtres sont déjà faits. Hein. Non, non. Là, c'est fini, hein, le haut, j'y touche plus. Hein. Parce que le problème, quand tu refais des filtres, ça fonce vachement, et après, il faut rééclaircir, parce que sinon, ça te fausse. Je l'ai fait justement hier, j'ai refait un filtre, et à un moment donné, j'ai dit ça sert à rien, j'arrête, parce que sinon. Sinon tu bouffes tes éclaircies en fait. Ton filtre, c'est bien les filtres, mais je trouve que ça bouffe les éclaircies. Donc j'ai fini par un éclairci, mais j'ai pas refait de filtre. Après, je sais pas, après, tu sais, les techniques, il y en a peut-être d'autres, ou repousser, il y en a, ils feraient peut-être un peu plus différemment, je pense, mais bon. Je suis pas figuriniste, je fais juste mes figurines comme ça quoi et puis voilà. Attends. Je vais même leur diluer un petit peu. Ça sèche ou c'est moi qui. Des fois, ils veulent pas rentrer, hein, même dans les. Voilà. Même l'eau, elle est pas assez fine des fois pour passer. Voilà. Ah ouais, non, mais c'est parce que ça sèche. Je croyais que j'avais pas passé de peinture, mais ça sèche vite. Faut bien attendre que ça sèche. Ça soit sec. Tac. Là. Hop, on va essayer de le faire le dessous un petit peu.
rentrer là-dedans. Pas rentrer là-dedans. Voilà. Alors, ah ouais, j'ai de la chance, j'ai des yeux. C'est vrai que je travaille pas. J'ai essayé, j'en ai des lunettes, c'est un zoom. En fait, c'est un zoom. Tu sais, des petites lunettes vite fait, quoi. C'est des trucs. Les trucs, ils ont 30 ans, ça vient du Lidl, je crois. C'est des petits trucs où c'est 3,5, je crois, le maximum que j'ai. Je jure, quand je les mets, je vois pas trop la différence. Ouais, je vois, hein, c'est un peu plus gros, mais pas à ce point-là. Pour le moment, après c'est sûr que quand tu as des problèmes de vue ou tu as une baisse de vue, là ouais, c'est obligé en fait. Ouais, pour le moment, ouais. J'ai le temps, après on n'est pas à l'abri, hein. Baisse de vue, on sait pas. Ah ouais, tu les trouves un peu trop prononcés, les éclaircies. Ouais, c'est vrai qu'ils sont un peu prononcés. Je pourrais faire un filtre, hein, dessus, encore un filtre. Et moi, j'aime bien quand c'est assez prononcé, parce que bon, les prêts, mais après, voilà quoi, tu vois. Bah, tu veux même pas, tu vois même plus que sur cette distance-là. Ouais. Là, ouais, je suis un peu plus à la, tu vois, la distance. Quand je la regarde moi et je regarde la caméra, c'est à peu près la distance que je le vois quand je suis en taille normale, tu vois. Genre je suis assis, j'ai les bras normal, tu vois. Et là, c'est la distance que tu vois une maquette en réalité. C'est vrai que c'est un petit peu éclairci. C'est pas, je pourrais refaire un filtre, mais je ne veux pas tenter. Je vais le laisser comme ça. Et je ferai les autres à le même aspect, hein, après sur le véhicule. Non, je pense. À la base, elle était un petit peu moins. Je pense que c'est que j'ai refait un dernier truc sur les arêtes, mais vraiment que sur les extrémités à quelques endroits. Et au final, c'est là où ça a rendu ça. Peut-être que si j'aurais pas rajouté de blanc, vraiment j'en ai fait 3-4 éclaircies, filtre, éclaircie, un autre filtre, et après j'ai refait un éclairci. Je pense que le dernier éclairci, j'aurais peut-être pas dû. Bon, après, voilà, ça a son charme aussi, quoi. Alors, tac, bien laisser sécher parce que là on croit que c'est sec, mais c'est pas encore bien sec. Ce que je vais faire, hop, je vais la mettre de côté. Je vais prendre mon. J'avais déjà mis du. À mettre l'ocre, kaki, ça c'est bon. De toute façon, malgré que je fasse en noir, je vais refaire un filtre en marron dessus quand j'aurai passé ma couleur de base. Uniforme russe. Ça. Le blanc, c'est un blanc. Je dis jamais du blanc, c'est un blanc ivoire.
c'est juste pour le moment, j'en remettrai après. Là, j'utilise un gros pinceau. Même beaucoup trop gros parce que j'ai plus de pinceau plat assez petit. C'est juste pour faire un brossage sur les vêtements là pour. Je vais pas utiliser ça, il est un peu crade. Faudrait que j'en achète un autre. Là, j'ai plus de plat. Il y a un petit là, j'ai un gros truc plat, mais après c'est vrai. Je vise à peu près bien, j'essaie de. Enfin, on va essayer de pas. Je vais quand même le mouiller. Essayer de le former un petit peu. Hop. Voilà, faut bien l'essuyer. Bon, ça paraît un peu bourrin comme ça, mais c'est pas grave. Mon intérêt, c'est vraiment que j'ai mon brossage sur mon. Permettra d'identifier la. En se rapprochant de la main avec un gros pinceau comme ça, tu sais. Voilà, en fait, le délire, c'est ça. Hein. En fait, j'ai essayé ça hier sur le truc et je trouve que ça m'a facilité un petit peu le boulot. D'un point de vue après, quand je fais mon premier filtre avec ma couleur de base. Ça facilite un peu quand même l'éclaircir. Petit peu. Ok. Voilà, on va ça, on va le mettre là. Mon pinceau. Non, 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 le véhicule, il n'est pas commencé, il est dans la boîte. Il n'est pas encore ouvert, elle est dans le colis. Le véhicule n'est pas commencé, non. Je préfère faire les figurines avant parce que ça sera fait. Puis après, je verrai pour le véhicule selon le temps. Parce que là, je vous dis, en plus, bon là, j'ai un petit peu de temps, j'en profite. Mais c'est vachement long, les figurines. Là, j'aurais pu les faire tout d'une traite, en fait. Et je voulais tâter un petit peu, me remettre à l'acrylique, donc j'ai pas tout ressous-couché. Après, je vais, par contre, les autres, je vais les faire du moins. D'une traite.
J'aurais pu, ouais, en faire. C'est vrai, j'ai pas fait tout dans l'ensemble. J'avais envie d'en faire qu'une, je voulais pas me relancer dans un truc pour que ça reste dans le placard après pendant le mois d'août en vacances et tout. Donc, voilà. J'avais envie d'en faire qu'une et voilà, je me suis pas. Petit peu d'eau. Donc là, c'est vrai que ça fait beaucoup éclairci, mais ça ne va pas rester comme ça. Ça va être beaucoup plus atténué là. Selon la teinte, j'ai pas mis assez de peinture, peut-être un peu trop diluée. En même temps, ça me permet de voir hein, si la couleur me plaît, parce que s'il faut que je repasse, bah. Après avec le marron là, quoi, le filtre pour faire les ombres un peu plus profond là-dessus, ça va comment dire, ça va foncer encore la couleur. Voilà, pas. Non, le duo, non, justement, j'ai commencé à regarder pour au début pour des archives, et franchement, je galère à trouver des archives vraiment de cette guerre en Première Guerre mondiale Australie avec la Ford là. Et de toute façon, vu que les figurines sont déjà là, je sais pas. Ça va être un truc simple, je pense, ça va pas être un. Pour mettre en valeur le véhicule surtout et le. Pas trop le confondre dans un gros duo, tu vois ce que je veux dire, ça sert à rien là. Il y a de la belle figurine, tu vois, il y a un bon petit véhicule à faire. Et c'est de je pousserai plus sur les figurines véhicules que sur le diorama en fait. Ouais, et franchement, les archives sur ce véhicule-là. Alors, déjà, t'as des trucs en noir et blanc. Moi, ça, en fait, c'est juste que le truc que je veux pas, c'est le mettre dans du désert, quoi. Dans un sable, une dune de sable. C'est joli, mais en fait, non. C'est le seul truc, je me dis, bah après, voilà.
En Australie ou je ne sais où, t'as pas de forcément de l'herbe. Il y a peut-être de l'herbe quelque part, tu vois. J'aurais bien vu sur un petit chemin d'herbe avec peut-être un grillage derrière ou un truc comme ça. Mais selon comment c'est là-bas, il faut connaître pas mal de choses, tu vois. J'ai regardé s'ils avaient pas. Je te dis, il faut trouver les archives, voir pour donner des idées. Et sur ce véhicule-là, franchement, il n'y en a pas des masses. Hein. Il y en a, hein. Mais après, trouver avec, je sais pas, des soldats ou des trucs comme ça. Après, je me suis pas acharné comme un fou pour essayer de trouver ça, mais quand même. J'ai commencé à regarder vite fait, j'ai dit, oh là, il n'y a rien. Me suis dit qu'il n'y avait pas grand-chose, quoi. J'en ai trouvé, hein, un petit peu, hein, j'en ai vu. Hein, c'est pas comme si j'avais vu zéro, j'en ai vu, mais pff, ça m'attirait pas. Ou alors, ouais, ils sont tous dans le désert, en fait, quoi. Ils n'ont rien autour. Je dis vas-y, mais il n'y a pas autre chose de plus sympa à faire que foutre dans le désert, ça. Là, je vais devoir me rapprocher un peu parce qu'il n'arrête là. Laisser sécher un petit peu. Alors, je vais bien la laisser sécher parce que si je refais un filtre après, il faut vraiment que ça soit bien sec. Ouais, l'audio, j'en sais rien. Déjà, faire finir toutes les figurines qui soient à peu près, on va dire, du même style que celle-ci, ce sera déjà pas mal. Parce que quand tu auras le set déjà de fait, après là, une fois que j'aurai terminé celle-ci, je vais en mettre de côté, et puis je vais tomber une autre, déjà finir ça, chaque chose en son temps, tranquille. Puis après je regarderai bien, parce que je me pose encore des questions en fait sur le... Entre ce qu'on voit là en fait, sur le véhicule, je me posais des questions entre ce que tu vois. Non, ouais, en fait, voilà. Par exemple, quand tu regardes sur le diorama, tu vois la grille de... le contour de la grille de ventilation. Est-ce qu'à l'époque elle était vraiment couleur, soit c'est couleur, je sais pas, c'est couleur cuivre, si c'était couleur métal, du moins, voilà, ou couleur, ou alors si c'était peint, tu vois ce que je veux dire, cet endroit-là, vraiment le contour de radiation avec les blocs optiques, ou alors il était comme par exemple sur l'audio qu'on voit, c'est-à-dire ici, et genre c'est peint comme ça. Il y a plein de petites questions que je me pose sur le véhicule et pour le trouver comme celui-ci dans son état d'origine, ouais, en couleur. Voilà. Pour ça, le véhicule, j'y suis pas encore. J'ai encore un peu des petites questions qui me. Et il faut que je chope des. Plus d'archives là-dessus, quoi. Ouais. De toute façon, sur les figurines, il faut jamais avoir la tremblote, ça. Et moi, des fois, je l'ai, des fois, je l'ai pas. Et là, ce qui est là où je l'ai le plus, c'est quand je filme, en fait, parce que c'est parce que j'essaie de par rapport à la caméra, j'ai pas la position pour filmer, j'ai pas la position que je suis d'habitude. D'habitude, je suis vraiment plus tranquille. Voilà, je suis complètement comme ça. Je suis bien calé là, je suis. Mais si je fais ça, des fois, ma tête, elle se met. Quoi que là se met pas d'ailleurs, c'est bizarre. Je vais peut-être rester comme ça. Je suis un peu baissé, mais c'est parce que des fois, ouais, je suis moins à l'aise pour filmer, pour essayer que vous voyez bien en fait. En fait, c'est juste parce que pour que vous voyez correctement, c'est pour ça que je suis pas dans les. C'est pour ça qu'en fait, les lives, j'en fais pas tout le temps. Des fois, on a des positions où je suis pas.
Si j'avais plus de caméras ou tu vois, plus vraiment bien optimisé, ce serait où je serais vraiment tranquille. Je pourrais, mais c'est pas le cas en fait. Je sais pas comment expliquer. Si je me baisse, on voit ma tête. Donc du coup, je suis obligé de reculer. Je peux pas être forcément. C'est pas facile en fait, hein. Franchement, c'est sport, hein. La maquette, faire des vidéos sur YouTube maquette ou des trucs comme ça. Quand tu fais des vidéos, ça va. Parce que tu peux faire ton montage et tout ça. En live, tu peux pas trop. Puis bon, en live, tu te foires. Tu peux te foirer aussi. Après, ça fait partie du jeu, hein. J'ai réussi à passer là. Ouais. Bon là je vais bien la laisser sécher. Comme ça je vais regarder un petit peu le chat en même temps là. Fumer une clope en même temps tranquillement. Ça évite de faire une pause. Je préfère regarder et discuter un peu dans le chat. Bon là je vais laisser sécher. Après je vais faire un premier filtre dessus. Reprendre la couleur de base. Repasser à certains endroits. Et puis voilà. Et puis après éclairci. Peut-être un autre filtre. Éclairci, éclairci. Puis après on va approfondir les zones. Quelques zones. Essayer d'avoir un petit truc qui peut correspondre parce que là ouais, forcément voilà, on a le premier filtre donc là c'est trop éclairci les arêtes là c'est sûr et puis c'est pas on voit que c'est pas nif c'est pas propre encore. Faut laisser sécher puis quand ça sèche les figurines elles prennent forme hein. À chaque fois ça prend toujours un petit peu forme ouais. Comme disait mon cousin tout à l'heure je lui ai envoyé une photo une... c'est Macron en vacances les gars. Ça fait marre. Alors, tac. Hop. Je reviens 30 secondes. Je coupe juste la webcam là, 30 secondes, la cam, et je suis à vous, comme ça je vais lire un peu dans le chat ce que c'est. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est... Hop, voilà, comme ça je peux fumer ma clope. Alors, qu'est-ce que ça dit de beau? Ah, la petite montre. Ouais, Rémi et la petite montre sur le. La montre, je pourrais même faire les aiguilles et faire une aiguille, je pense, mais je me suis pas pris là trop la tête. Ouais, je vais essayer de vous mettre la figurine là en attendant. Ouais. Ouais, je peux la poser, remarque ça. Voilà. Eh, mais c'est dégueulasse le jaune là. Le jaune, la couleur bois de mon petit support. Ouais. Non, après quand ça va être posé sur le véhicule, ça va être sympa. Quand il va être accoudé sur le véhicule et tout, ça va être chouette. On va le mettre comme ça. Bon, après, faut voir les autres. Après, peut-être qu'il y aura des corrections, peut-être des filtres encore. Mais je mettrai quand même un coup de vernis à l'aérographe tout à la fin sur un mat. Un mat très léger, histoire de protéger. Ouais, un arbre. Et c'est un arbre australien à proximité. Ouais, voilà, ça, ce serait pas mal à l'arrière, un arbre, tu vois, avec un peu de verdure, un peu de vert pour faire ressortir ça, mais c'est clair, ouais. Ouais, c'est plus sablonneux, et puis même. Je sais pas, on verra. On verra, je verrai bien ce qu'il y a de bien à faire.
Après, les gars, vous me dites si des fois il y a des problèmes réseau, de son ou des trucs. Enfin, réseau, je pense pas, ouais, on sait jamais parce que. Moi, je le vois aussi, mais c'est un peu mieux. Si des fois il y a des trucs, faut pas hésiter à le dire, je vois pas forcément tout. Vu que là, j'ai redémarré la bécane. Après, il y a l'autre qui va être sympa aussi. Je sais pas lequel je vais faire après. Est-ce qu'elle est l'image? Tac. Je sais pas après. De toute façon, faut que je les passe toutes. Donc. Peut-être faire celui-là d'à côté, à gauche. J'aurais pu les faire d'une traite. Au final, c'est pas plus mal. J'aurais pu faire les deux d'un coup, les mêmes, exactement les mêmes couleurs, tout ça. Mais au final, c'est pas plus mal. Parce que je sais à peu près le mélange et au moins ça varie un peu la tenue. Plus ou moins sale ou un peu différent quoi. Donc, du coup, ouais. Celui-là droite aussi, il est sympa à faire. Ça va me faire travailler le rouge. Ouais, le rouge, je sais pas, ouais, je pourrais le faire d'une autre couleur, mais non, je vais partir sur ce support-là. Parce que de toute façon, j'ai pas de vraies photos avec cette époque-là en couleur, ou tu vois. Puis après la petite maquette. La maquette, faut que je regarde. J'ai pas ouvert la boîte. Faut que je regarde le moteur. S'il y a moyen de faire un peu de scratch. Et de voir s'il n'y a pas moyen d'ouvrir le. Juste parce que c'est ça s'ouvre en papillon, je crois. Ces capots-là, ils s'ouvrent en papillon. Du coup, je vais essayer d'en ouvrir une partie ouverte. Ce serait pas mal. Et après, on verra dans le déco, dans le duo, si je peux rajouter soit un jerrycan ou des trucs. Déjà, à l'intérieur, je crois qu'il va falloir que. Faut que je regarde, je sais plus si dans le set de figurines j'ai. En fait, on voit à l'arrière du truc, il y a des trucs dedans. Après, je verrai. Je vais pas prendre trop la tête, c'est l'histoire de faire un petit duo, un petit truc. Ouais. Enfin, à chaque fois, je dis ça, mais en fait, je me prends la tête, quoi. Un camion 1,24 Freeman, ça sacré camion. Ouais, c'est la première figurine du lot que je fais, Freeman. Ouais, moi aussi, j'ai été tombé là-dessus et j'avais galéré pour voir ça. En fait, j'avais déjà le véhicule. J'ai dit, tiens, je vais le prendre, il est pas très cher de CICM, ça pourrait être sympa sur un socle. Juste le véhicule, en fait. Ce véhicule, en fait, j'avais acheté ça. Et je sais plus, un mois plus tard, je regardais mon stock, j'ai fait. Ouais, je sais pas ce que je pourrais mettre et j'ai été tombé sur le set sur ce set là quoi. Et du coup j'ai fait ah ouais non j'ai dit il me faut ça. Et du coup j'ai pris les figurines. Et au final après donc j'avais pas le temps de maqueter, j'avais plus trop de temps. Et puis hier ou avant-hier, il y a 2 jours, j'ai dit tiens, je vais me faire une petite figurine. Et je suis retombé sur cette photo là parce que j'en ai du stock, hein, j'en ai des trucs à faire, des projets et tout, et j'ai dit tiens, c'est sympa, un Australien, ça change. J'avais travaillé le bleu il y a. Récemment, et du coup, je me suis dit, bah ouais, tant qu'à faire, autant attaquer ça. Au pire, ça me fera toujours une figurine sympa si j'ai pas le temps de faire tout le reste. C'est pour ça que je me suis pas embarqué. C'est pas comme si je me dis, tiens, je vais faire vraiment une semaine où je fais que de la maquette, que de la maquette, ce qui est strictement impossible pour moi avec le temps qu'il fait. Du coup, voilà. Surtout qu'on peut revivre un peu maintenant, là, pour un certain temps. Et du coup, j'ai dit, bon, bah vas-y, allez, autant aller faire la figurine. Puis voilà, je suis parti là-dessus. Bon, c'est sûr que c'est pas la même que sur la photo, mais après, de toute façon, personne ne ferait la même figurine. Tout pareil, chaque peintre, enfin, font leur truc, quoi.
La photo là, j'ai tiré de comment ça s'appelle d'un set, je sais plus, sur internet, du set complet avec le du set complet en fait. Et tu tapes Figure Indie Day, et après, je sais plus, j'avais trouvé en tapant justement le Anzac, tu tapes Anzac Figure Indie Day mais je sais, je crois qu'elles y sont, elles existent. Je sais pas s'ils en ont encore, si tu peux encore les choper ou. Ouais, regarde, ça faisait un bout de temps que j'avais ça, je te dis. Après, sinon t'as les copies. Là, en copie, tu les trouves, tu dois pouvoir les trouver. Ouais, j'ai regardé le col en blanc, mais en fait le col en blanc, si tu regardes bien, c'est ce que je me suis dit au début, mais je pense qu'ils sont, il n'y a pas de raison en fait qu'ils soient en blanc ce col-là. Bon, ils ont fait en blanc, mais non, je vais pas le faire en blanc. Peut-être que j'aurais pu le faire en blanc, j'ai poussé juste l'éclaircie sur l'arête, mais non. Ouais, au début je voulais le faire en blanc, mais ça faisait trop blanc. Du coup, je sais pas, peut-être que j'en mettrai un coup de blanc. On sait rien. Bon, je vais le laisser comme ça, je vais pas. Ça aurait pu, mais. Là, c'est vraiment un support pour moi. Après, je te dis, regarde, les mélanges, je les ai fait moi-même, tu vois. J'ai pris un bleu que j'avais, j'ai pris. Marron que j'avais, voilà, que j'ai fait mon mélange comme ça, quoi. Ouais, non, je te dis, le véhicule qu'il y a, il est sympa. La maquette, elle est formidable. Le mec qui a fait la maquette et tout, c'est magique, hein, c'est super joli. Mais le véhicule, voilà. C'est dur, hein. C'est quoi, 1916? 1917? Attends, je sais plus, je crois qu'il y a la date. 1917. Moi, je le vois bien plus sur la boîte que comme. Je pense qu'en réalité, plus comme ça, comme il est là. Après, ça reste. Voilà, je te dis, trouver des archives en couleur ou alors trouver la même, comme ça, là. Ouais. Et puis ça change un petit véhicule, ça change. Mais je pense que je vais la calandre, je vais la peindre comme ça en couleur à moitié or, je sais pas, je vais voir. Faut que je regarde, j'ai pas ouvert la boîte, je te dis, pour l'instant je m'éclate sur les figurines et ça, je suis pas prêt de la monter donc, pour le moment. Déjà, quand j'aurai peint toutes mes figurines, elles seront prêtes, pratiquement finies comme celle-ci. Voilà, celle-ci, je vais la finir. Et qu'elle sera posée sur les quatre à côté, déjà, je serai content. Tu vois, je vais dire, bon, ça, c'est déjà moins ça à faire. Et ça motive un peu plus, en fait, là, après, pour faire le reste. Pour déjà, juste, je pense, sans le diorama, juste les véhicules. Que ça soit posé sur un socle avec les figurines calées, plus. Juste la maquette, déjà, c'est beau. Après le reste, on verra. Ouais, c'est ça, je fais comme j'aime. Et puis en même temps, comme ça me permet de me remettre un peu les pinceaux, un peu en route, quoi. Ouais, il y a des chouettes trucs hein. En Première Guerre mondiale, il y en a plein, hein. Ça change. Hein. Moi j'adore, hein. Première Guerre mondiale, tu peux faire un tout petit sur un tout petit socle, un petit bout de tranchée avec un mec dedans et tout, juste une figurine et un petit décor tout simple sur un truc qui fait 5 cm par 5, tu peux faire un truc super. Hein. Sans avoir de plus.
sans avoir un gros diorama, un truc, juste une figurine bien faite avec un petit socle et un petit truc derrière, tu peux faire quelque chose de sympa. Il y a plein d'idées après. Bon là c'est une facilité hein, l'idée, hein, parce que allez, regardez, c'est déjà fait. J'ai pas de modelage ou de modification de bras à faire ou quoi que ce soit, tu vois. Mais j'ai trouvé sympa, j'ai dit tiens, j'aimerais bien voir le même. Par contre, sur le duo, je veux pas un truc comme ça. Je veux une route ou un petit morceau de chemin avec un peu de verdure, peut-être un peu désertique, mais quand même avec un peu de vert. Pourquoi pas un arbre ou un morceau de mur derrière, peut-être. Je sais pas encore. Franchement, je sais pas. En fait, je ferai ce que je veux, en fait. En fait, je ferai ce qui me plaît. En vrai. Je vais arrêter de me focaliser que sur le désert parce que même si voilà, ça correspond plus en vrai à ça, mais. Bon allez hop, on va reprendre. Tac. Ouf. Hop. Mon logiciel là. Dézoomer un petit peu. Dézoomer. Je vais prendre mon le marron ombre là. Une espèce de terre d'ombre. Je vais refaire un filtre. Foncer un peu ça avant de repasser à ma couleur de base. Puis après on va voir un petit éclairci, on va voir. Ouais, à l'instinct, c'est un peu ça. Le truc, c'est de se faire plaisir avant tout, tu vois. Je suis pas trop le genre de mec. Sur certains trucs, si, mais je suis pas trop le genre de mec qui va. Tu sais, certains maquettistes qui disent, ouais, mais regarde, c'est pas exact de l'époque, il y a pas. Non, je fais pas partie de ça. Et même les plus beaux dioramas que j'ai vus, ça reste dans le sujet, tu vois. Sans trop s'écarter, hein, je vais pas faire une soucoupe volante à côté, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, du moment que tu restes quand même. De toute façon, et qui était à cette époque-là pour dire ouais, c'était j'étais là, ce véhicule à tel endroit, il y avait ça, c'était joli. Enfin, je veux dire. Je fais pas un martien, quoi, tu vois, à côté du véhicule. Une soucoupe volante. Comme le Cat and Crad, hein, sur la maquette, le petit diorama que j'avais fait pour expliquer un petit peu rapidement, j'avais rien forcément prédessiné, tu vois, du moins j'avais prédessiné, mais j'avais l'idée en tête en fait. En fait, t'as l'idée, t'as l'image en tête et après tu peux le dessiner, mais quand t'as le truc dans la tête, tu sais, tu le vois comme ça, tu le vois pas autrement. Et voilà, puis bon après faut avancer, hein. Je fais pas un concours, tu vois, c'est pas un concours. Je fais pas une compétition ou un truc comme ça, là c'est pour le simple plaisir. Donc c'était pour montrer vraiment avec quelque chose de simple, en y mettant un peu de comment ça s'appelle, de cœur à l'ouvrage, si on peut dire ça comme ça, et tu peux faire quelque chose de sympa et.
laisser sécher. Une fois, parce que quand ça sèche, c'est un peu différent. Ouais, je vais essayer juste, je vais refoncer un tout petit peu plus. Je vais rajouter une toute petite pointe de noir dans le marron. Mais très léger. Genre, tu vois là. Essayer de foncer un peu plus au niveau-là. Là, je vais aspirer un petit peu parce que là, il y en a trop. Voilà. J'ai mis vraiment, mais vraiment une micro-goutte de. Voilà, de noir. Tu vois tout de suite la différence en fait entre. Tu vas passer sur un peu plus clair là. J'ai rajouté un tout petit peu de noir dans le marron. Mais vraiment très léger. Hein. J'ai. Pour essayer de foncer un peu plus. Ah, regarde. Là, je vous montre parce que l'eau elle s'évapore. Ah, j'ai mon marron qui est là. C'est le filtre. Et le noir, mais genre. Voilà. Tu vois, tu passes. Tu fonces légèrement et juste ça. Je vais l'ajouter dans quelques. Voilà, dans quelques creux. Genre je pourrais essayer de le poser là par exemple. Ici. Niveau de la braguette. Là. Ouais, je pense. Moi aussi, je pense que là. Après, on va faire. Bon, je vais finir ça et on va faire les guêtres. Après, j'ai envie. Hein, je suis un peu d'accord de tenter un filtre. Peut-être tenter un filtre sur le dessus, mais j'ai peur que ça soit dommage avec le recul, en fait. Voilà, faut laisser sécher. Et là, on va repasser quand même un. Très léger éclairci, mais et encore je sais même pas au final. Voilà, juste avec ça des fois tu te dis est-ce que ça vaut le coup. Je vais peut-être attaquer ma couleur de base des guêtres et les chaussettes là et juste un premier déjà je vais faire une petite base en noir déjà dessus. Regarde. Tac. Voilà, ça sera fait. Vous savez, moi je fais un peu ça au feeling, comme je le sens. Si on veut apprendre. Sans forcément un support, tu vois, genre un professionnel figuriniste, machin, ou un peintre confirmé, tu vois ce que je veux dire, t'es bien obligé de t'amuser comme ça, et puis tu vois, et puis au final, des fois, t'es surpris, hein, des fois, t'es surpris, tu te dis, ah, mais en fait, c'est trop beau, et puis des fois, tu te dis, oh, là, par contre, j'ai un peu flingué la figue, mais bon, c'est pas grave, je sais que c'est pas à refaire, quoi. Comme je dis, on apprend beaucoup plus de ses erreurs que. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je me prends la tête. Hein, et hop. Tu vois, des fois, on a déjà passé ça. Ça fera toujours une couche en plus. Ouais, là-dedans, là.
Après, sur Instagram, j'ai fait des photos un peu plus jolies, des photos où... parce que j'ai pas d'appareil de pro, moi je fais tout avec mon téléphone. Donc du coup, j'ai fait des photos et sur les photos d'Insta, j'ai mis un fond noir avec l'éclairage à fond, les lampes très près, du coup, on... Voilà. Enfin, vous la voyez aussi bien là-dessus, là c'est un peu plus clair, parce que bon... Je peux pas trop baisser la luminosité de la lumière. J'ai deux lampes là, j'en ai une à droite et une à gauche. D'habitude, mes lives jusqu'à maintenant, je les faisais qu'avec une lampe. J'ai pas de néon encore. Là, par contre. Ça a rien de trop de me rapprocher, je ferai encore un petit filtre à ras du entre le. Dans le genou là. Comme ça me laisse faire sécher l'eau là. Je vais quand même reprendre les lignes du pantalon légèrement parce que on voit quand même le brossage derrière. On voit les traits en fait du brossage. Je vais essayer de les atténuer un petit peu. Vrai que là, je fais live sur Twitch, mais au final, je suis sûr que là, j'aurais été sur YouTube pour une reprise, il y aurait eu plus de monde. Qu'on est dimanche, il fait beau, il y a beaucoup de gens en vacances aussi, hein. Beaucoup de gens en vacances. Ah oui, c'est un jus, hein. Tidus, c'est vraiment un jus, hein. T'es sur un jus pur et dur, hein. Tu vois, sur ma palette humide, hein, je le montre bien, c'est... Ça aussi, j'ai mis du temps à bien, et encore aujourd'hui, tu vois, bien comprendre le filtre pour pousser, voilà, pour que si tu veux que t'es... C'est-à-dire un filtre éclairci, des fois, t'es obligé de refaire un filtre, tu vois, comme tu dis... Puis qu'ils disaient, moi je referai un filtre, tu vois, tu pourras refaire un filtre, corriger en fait avec les filtres, hein. T'as pas de limite sur les filtres. Après, je peux retoucher donc là les avec ma couleur les ombres, tu vois, encore pousser encore les ombres, mais au final, tu vois là, c'est bizarre parce que d'habitude, ça dépend. Là, il n'y a pas beaucoup de plis, je sais pas comment expliquer. Là, tu vois, il y a beaucoup de plis et c'est très profond, donc tu peux retoucher au pinceau facilement les. Très dilué, tu vois, les intérieurs. Là, franchement, ça vaut même pas le coup en réalité sur le short, que je m'amuse à essayer de retoucher tous les creux, tout ça. Peut-être un petit peu là, tu vois, et encore. Parce qu'après, ça fait trop... Ou alors, si je le fais, je vais être obligé de refaire un filtre après pour atténuer. Là, c'est ça, en fait. C'est le compromis, je trouve qu'il est chiant à trouver. Jusqu'à temps que t'aies le bon truc, je peux retoucher juste que les zones au pinceau, tu vois, sans faire de filtre, mais un peu plus. Après, ça va être trop foncé, du coup, je vais refaire un filtre. Ça va atténuer le. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Enfin, je trouve. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Ouais, pour les ombrages, ouais. Pour les ombrages, là j'ai fait un. Bah, ce qui fait un filtre, hein, c'est comme un jus très dilué, tu vois, c'est pareil. Là je pourrais en refaire un, tu vois. Et là je vais voir, je vais reprendre. Là je vais essayer, alors tu vois, des fois tu essayes, vu que c'est assez éclairci, là c'est la base que j'avais fait avec ces deux-là, tu vois, pour foncer un petit peu. Et là, je vais repasser peut-être quelques zones très diluées avec juste celui-ci. Tu vois, mais vraiment, c'est pareil, si tu le dilues à mort. Et là, je vais pas faire un filtre, mais je vais y aller, tu sais, en tapotant, tac, 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 pour déposer sur les surfaces. Tu le dilues presque comme un filtre, mais pas autant, quoi. Voilà, tu vois. Voilà ça.
Et quand ça sèche, mine de rien, tu vois. Et si c'est pas assez clair, bah, j'éclaircirai un peu mon truc. Alors tu vois, je peux essayer par exemple ici, là où on voit les traits de. Enfin, on voit légèrement les traits de pinceau à travers. Faut bien décharger le pinceau. Et je vais voir si ça recouvre pas trop mon. Voilà, tu vois, ça va l'atténuer un petit peu. Et si t'es pas assez dilué, en fait, je peins pas parce que ça dépose pas la peinture. Des fois, c'est tellement fin, en fait, tu crois que c'est transparent, mais les pigments, ils restent, quand tu peins, des fois, ils rentrent dans le pinceau. Je sais pas comment expliquer, mais en tapotant, t'arrives plus à ton pigment à le déposer, quoi. Alors tu vois, ça fait assez clair, mais c'est tellement dilué, hop, dès que ça sèche, ça atténue. Ça atténue un petit peu tes traits, quoi. Voilà, je repasse juste, tu vois. Je sais pas comment expliquer, en fait, si je zoome peut-être plus. Tac. Bon, là, c'est un peu trop abusé. Mais regarde. Là. Il y a qu'en séchant que tu arrives à voir en fait des fois là. Là, si je fais ça, c'est vraiment par principe de, tu vois, les traits là, on voit les petits traits, donc c'est pas gênant. Hein. On voit les petits traits du brossage. C'est vraiment juste pour les atténuer que je fais ça en fait. En fait, c'est le pré-ombrage et le brossage à sec à blanc, ça me permet d'identifier les zones justement où je vais pouvoir repasser et éclairer. Pas facile à expliquer, hein, les ressentis. Hein. Pas se prendre la tête, tac. Ah, ça atténue un petit peu les traits de brossage. Après, quand c'est trop fin, tu peux le brosser. Hein. Juste brosser comme ça sur le champ du pinceau, dans des coins. Ici là on voit les traits. Voyez, ça atténue hein, vachement les traits de brossage. Là, j'utilise, tu vois, les arêtes comme ça. J'utilise le champ, hein, direct du pinceau. Je m'embête pas. Tu vois, là, tu fais comme ça. Puis mine de rien, ça fait un petit éclairci. Pour éclaircir un petit peu là. Tac, tac, tac. Alors, on va faire un petit éclairage sur le dessus. Puis bon, on est sur du 1/35e. Donc. Ok.
Ouais, on les voit la différence de nuance, mais en fait, quand tu le peins, tu le vois pas forcément, c'est tellement dilué, donc c'est pour ça, faut vraiment y aller en tapotant tranquillement, et quand ça sèche, tu le vois au final le résultat. Et les éclaircies, c'est pareil. Là, si je rajoute un tout petit peu de blanc et je refais la même chose, mais aux extrémités, tu vas vraiment avoir un beau dégradé, par exemple, comme à ce niveau-là. Tu vois le dégradé, comment il est sur l'arête là. Des fois, il est un peu plus prononcé, et des fois, il y a. Quand tu le tapotes comme ça, tac 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 dessus, très léger aux extrémités, t'as vraiment un bel effet de dégradé. Et avec les filtres en plus que tu peux rajouter dessus, tu vois. C'est le but recherché en fait. Donc ouais, c'est un petit peu long, tu vois, mais voilà, on va continuer. Hop. Là, tu vois, sur le short ici, là. Tu vois, je viens juste de faire cette petite partie là, et regarde quand je repasse dessus. Et quand ça sèche, ça s'atténue, et puis ça te fait ton petit éclairci. Pas besoin de plus après. Hein. Tu vois, là, un petit peu plus ici. Là. Tu vois, l'arrière, ça aurait été trop éclairci, vraiment trop, trop. Là, j'aurais pu refaire un filtre. Mais au final, je me demande si je vais pas le laisser comme ça. L'arrière, il sera posé contre une voiture. Tiens, là, on va le faire à l'exemple ici, par exemple. Tu vois, regardez là, les plis sont un petit peu prononcés parce qu'on voit le brossage que j'ai fait avant et les filtres. Donc là, attends, je vais rincer mon pinceau. Hop, je vais reprendre un petit peu de peinture vachement diluée, comme un filtre. En fait, c'est aussi dilué qu'un filtre. Mon pinceau, je le pose sur mon sopalin, j'aspire tout. Et tu crois que là, il n'y a plus rien. Tu vois, tu crois qu'il y a de l'eau, mais au final, tu as de la peinture. Parce que regarde, si je pose mon sopalin, regarde, tu vois, la teinte, il y en a encore. Et pourtant, c'est comme un filtre. Bon, là, je vais reprendre un peu parce que j'en ai plus. Alors que tu penses que ton pinceau, il est. Là, je décharge. Voilà. Bon, je reforme la pointe en même temps. Et là. Et vu que faut pas oublier que je suis parti directement. On avait fait ces deux couleurs-là, là, celle-ci et celle-ci. On avait fait ça et là je pars direct sur celle-ci, qui est très diluée, tu vois. Alors des fois tu peux remettre un peu de peinture. Si c'était trop vraiment trop filtre, tu peux remettre un petit peu de peinture. C'est juste qu'il faut pas le laisser sur ton. J'en ai mis un peu parce qu'il n'y avait pas assez de pigments. Donc là, j'y sors bien mon pinceau. Et tu vas voir. Là, il est encore trop dilué mon pinceau, je le décharge, sinon après ça fait. Ah, les pigments, ils sont petits, hein. J'ai remis encore un peu de teinte, tu vois, c'était trop genre filtre. Et vu que c'est fin pour la déposer, hein, là, on va essayer, voir. Ici, c'est juste pour vous montrer, mais de toute façon, vous avez compris hein, le délire. Ah, voilà. Après, si tu mets trop de teinte, t'auras plus cet effet de dégradé, ça va se voir direct. Voilà, j'essaie de vous montrer, mais c'est vrai que c'est difficilement. Voilà, par exemple, ici, hein. Là, je pose des pigments dessus. Là, ici, regarde, là, il y en a une belle arête là. Après, je vais vous lire un petit peu parce que je regarde en même temps ce que je fais.
C'est dommage qu'il n'y a pas Jean-Paul. Il aurait pu nous conseiller aussi les. Après, c'est intéressant de tracer les petites arêtes aussi, je trouve. Des fois, tu as les arêtes sur le champ, juste tu fais ça. Prononcer un peu, voilà. Après, ici, c'est derrière, hein. Franchement, le mec, il va être contre le véhicule. Je vais te dire. Hop. Voilà, un petit peu là, là, ici, tac. Voilà. Juste un peu plus le plat là parce que voilà. Je suis hésitant sur la peinture. En fait, quand je dis que je suis hésitant, c'est que là, par rapport à la quantité de pigments que je mets, je préfère y aller de plus en plus que trop d'un coup, en fait. Parce que trop d'un coup, c'est chiant. Après, ça se voit, faut refaire un filtre ou deux et tout, faut tout rattraper. Là, je préfère y aller progressivement. Comme ça. Tac. Hop, là. Voilà. Et c'est pas la même couleur que le chapeau. Hein. Attention. Hein. C'est pour ça que je suis parti d'un ton en dessous. On est plus proche des ceintures. Ok, on va laisser sécher. Et là, tu vois, je voulais faire un filtre et tout, mais là, je refais rien. Je laisse comme il est là, je pense. Faut voir après quand on va mettre la sangle. Je le ferai à la fin, ça. Je vais d'abord faire la. Quoi que je pourrais le faire. Un gris blanc. Le blanc, tu vois, c'est un truc que je ne travaille pas pour faire les profondeurs blanc. Je pense pas qu'il faut partir sur un blanc pur. Tu vois, c'est le truc, ça, je maîtrise pas encore faire des dégradés de couleurs sur du blanc. Parce que tu pars sur une base gris, en fait. Et je me pose des questions des fois encore sur le blanc. On va leur partir sur un blanc et faire un filtre marron, mais je pense pas parce que le blanc il est trop blanc. Blanc c'est pas beau en fait quand tu. Je trouve. Alors, je vais vous lire un peu les gars, désolé. Entre l'écran, la figurine, machin, machin. Salut T-Bards. T-T, c'est ça. T-Bards. Moi aussi, ça fait plaisir d'être avec vous. Ça fait plaisir. Le MATV, je ne l'ai pas repris. Bah déjà, j'ai pas repris du tout de maquette depuis. Maquette ou figurine depuis un petit bout de temps. Un bon mois, voire si c'était pas 2-3 même, je sais plus. Et du coup, parce que manque de temps, en plus là, les vacances, ils approchent, tout ça. Donc très peu de temps et là tu vois le live il était pas prévu donc j'ai lancé le truc, j'ai dit allez hop tu sais quoi, j'allais continuer un peu ma figurine donc voilà j'ai mis un peu de côté parce que bah, manque de temps et puis donc voilà tout simplement mais voilà c'est pas pour autant que j'arrête définitivement la maquette hein. Il y en a qui se sont dit ah c'est bon il arrête, non j'arrête pas la maquette c'est que pour des lives il faut du temps en fait. Faut du temps, faut préparer le truc et tout ça. Mais voilà, je suis là, donc c'est toujours mieux que rien de partager ça, quoi. Surtout que c'est gratos et que voilà. Et moi, je suis content là de pouvoir partager un peu de tout, hein. Un peu de tout avec vous. Ouais, ça donne bien, hein, ça va être ça. En séchant, pas besoin de plus. Hein. Voilà, laisser comme ça. Après, ils sont un short. Quand j'aurai fait déjà les 4, c'est ça.
4, attends, je vous remonte l'image. Talat. Talat. 1, 2, 3, 4. Ouais. 4. Ça rend pas mal, hein. Par contre, tu vois, je me note sur un petit cahier les couleurs que j'utilise pour pouvoir refaire. Après, je sais, voilà, le truc, mais pour... Là, tu vois, c'est pareil, on sera plus sur une couleur ocre, je pense, jaune, ocre, voire avec un jaune. Essayer de voir pour la tenue du mec tout à droite. Donc voilà, ça, tac, et puis ça. Et le MATV, d'ailleurs, ils ont ressorti un, là, j'ai vu. Il y en a un qui va ressortir. Et un truc que j'aurais bien voulu faire aussi, mais j'aurais pas le temps parce que je suis déjà lancé là-dessus. Mais je sais que chez Dassault qui sortent un canon. C'est quel canon déjà qui sort? Canon français, Première Guerre mondiale avec trois figurines. D'ailleurs, il est pas sorti. Hein. J'ai pas été voir. Il est peut-être. Je sais pas. Il était... Je crois qu'il y en avait pour une trentaine d'euros. Tu dois avoir 3-4 figurines avec un petit canon aussi. Ça sort un diorama en Première Guerre mondiale. C'est chouette. Ouais. Alors, tatat, les chaussettes, les guêtres, on va les peindre, on va les mettre comment ça? Ah oui, si, j'étais parti sur ce vert russe que j'avais utilisé à la base, mais je le trouve vachement, quoique clair, j'avais utilisé. Fais voir. Ou alors, soit on fait les chaussettes, soit on fait le. Bon, tu sais quoi, on va finir, je pense, on va finir les. On va finir la bretelle. Bretelle et. À moins que je fasse ça en marron cuir, les bretelles. Attends, je regarde un peu, ça ressemble. Comment c'était foutu leur machin? Ils avaient une. En fait, il a fait un revers. Ça devait être un pantalon. On dirait comme un short taille haute en fait à l'époque. Les tailles hautes avec les trucs qui on dirait. Il a fait un revers et les bretelles, il les a enlevées. Je suis pratiquement sûr, c'est ça. Comme les pantalons de travail, tu vois. Les vieilles marques, Laboureur et tout, ils faisaient ça. Les charpentiers courants. On dirait ça en fait. On dirait que c'est un taille haute, un short taille haute avec des bretelles où c'est. Et il a fait un revers. Et donc c'est l'intérieur du truc peut-être et ça c'est les bretelles qui redescendent. Ah je sais comment je vais faire les bretelles, j'ai trouvé. Je vais partir sur un B. Parce que j'en ai des bretelles comme ça moi. À l'ancienne, hein, avec le petit bout là en cuir et le reste est en beige. Attends. Je sais de quelle couleur je vais le faire. Qu'est-ce que c'est? Et ça c'est vieux déjà, même à l'époque, il y avait déjà ça. Ah je sais. L'intérieur sera peut-être en blanc. Non, c'est bon, je sais. Je ne vais pas partir sur un blanc. Ouais, un cuir vieilli, mais en réalité, les bretelles, tu as une partie qui n'est pas en cuir. Parce que c'est des bretelles, ça un peu, doit être un peu élastique, peut-être. Je sais pas. Où est-ce qu'il est, mon beige? Ah, voilà. Non, c'est pas un singe. Attends, je vais regarder. Attends, je prends la boîte. Je cherche une couleur qui m'intrigue. Ah, non, ça. Si, il y a le kaki qui m'intéresse. Non, c'est pas le kaki. Est-ce que c'est Germanic Camo beige, peut-être? Ah, voilà. Attends, fais voir. Ça et après ouais avec un cuir marron cuir pour quelques petits trucs oh, juste pour la bretelle qui redescend je vais partir plus sur ces couleurs-là marque je pourrais utiliser deux un foncé un filtre dessus bon on va voir je vais voir avec du blanc aussi peut-être si je prends ça un éclairci blanc puis un filtre en marron après par-dessus au moins pour la ceinture c'est quoi allez hop je peins la tête je vais jouer sur ces trois couleurs-là. Et je vais voir ce que je peux faire avec ça. Pour les filtres éclaircis et.
vois, je ne suis pas trop. Là, bon, par contre, ceux-là, il y a longtemps qu'ils n'ont pas. Ouais, ceinturon. Je sais même pas quelle couleur ils ont fait sur la photo. Je me rappelle plus. Ouais, mais tu vois, c'est pareil. Bon, c'est un gris. Ils ont fait ça en gris. Là. Vas-y, ça m'intéresse pas en fait. Tac, hop, je l'enlève comme ça, je fais à ma sauce. Attends, fais voir un truc. Tac, tac, tac. On est combien là? Choc, choc. On n'est pas nombreux, on doit être 3, 4, 5. On est 3, je crois. 3, oui. Après, je sais pas si je peux remettre cette vidéo-là sur le. Faut vraiment que je la mette celle-ci. On va essayer de voir. Ça fait combien de temps qu'on est en live? Tant pis, le temps, c'est pas important. 18h50. Ouais. C'est dommage qu'on peut pas la finir ensemble, Sophie. Il y aura encore quelques. Bon, on va faire au plus vite. On va pas se prendre la tête. Je vais essayer de la finir rapidement. Et j'essaierai de voir si je peux la rediffuser sur YouTube à la rigueur. Je sais pas trop. On va. Ça fera toujours un petit contenu en plus sur la chaîne. Tac. Fait, je vais le couper avec du blanc. Un petit peu. Ben non, il y en a déjà à côté. Essayer de voir si. Ouais, c'est pas mal, on va faire ça. Tout petit peu plus loin. Peut-être trouver ça. Par son vraiment beige un peu plus clair. Passer derrière, voir ça. Donc c'est pas un blanc blanc, hein. J'ai cassé le aiguille US avec une petite goutte de blanc, sachant que je vais refaire un filtre par-dessus et ça va le foncer un peu, donc ça va être comme ça, on verra. En fait, c'est bien cette couleur-là. Avec un séchant, on va se casser un peu. Mais je vais pas me. Là, je suis obligé de m'en rapprocher parce que j'y vois pas. Bon, désolé s'il y a ma tête, les gars, mais j'ai pas le choix. Surtout qu'avec le blanc, faut pas trop déconner, ça se voit tellement. J'ai fait une erreur là-dessus.
Hey, je suis tombé sur une chaîne d'un mec qui est trop bien aussi. J'ai connu ça. Je crois que peut-être vous connaissez déjà. Ouais, bon, c'est pas français, hein, c'est du russe, je crois. Mais franchement, et franchement, c'est abusé ce qu'il fait. C'est AM Miniature, je crois. Alors peut-être qu'il y en a qui connaissent depuis longtemps, mais moi, je l'ai connu sur ce gars-là, sur Instagram. Et il a ouvert une chaîne. Ça s'appelle AM Miniature. Franchement, allez voir. Il partage aussi, c'est des vidéos, il partage des codes couleurs, des choses très intéressantes sur du camo et tout. Il a fait un Keten Crad aussi qui est complètement barré. Enfin, j'ai vu ses photos. Franchement, je connaissais pas. Enfin, je connaissais via ses photos, mais je savais pas qu'il avait une chaîne. Honnêtement, si allez voir ce qu'il fait, il est doué. Après, j'en connais plein des ultra doués sur les. Ouais, c'est plus que doué les mecs, j'ai vu les dioramas et tout, et je sais pas la vitesse où ils vont, et t'as l'impression que c'est une industrie à eux tout seul. Toutes les semaines ils sortent des dioramas légendaires les mecs. Tu dis mais c'est pas possible sortir des trucs comme ça. Dioramas et figurines blindées et tout, les mecs, toutes les semaines ils t'en sortent. Ils font que ça, c'est pas possible, ils font que ça. Ou alors ils les vendent, ils vivent de ça, mais à la vitesse où ils font, les mecs, ils doivent te faire 15 heures par jour de maquette, tu sais. Enfin, je sais pas, mais. Heureusement qu'ils ne se présentent pas à un concours. Ils déglinguaient tout le monde à chaque coup, les mecs. Incroyable. Mais là-bas, je sais, les Russes et tout, ils sont. Pays de l'Est, ils sont mordus de ça. Et ils sont très doués aussi. Je suis content de cette couleur-là. C'est pas un blanc que je voulais, pas un blanc blanc. C'est une espèce de blanc cassé, légèrement beigeâtre. Et deux là, c'est parfait. On va faire un petit filtre par-dessus. Me saoule là, j'ai. Ça me souffle. Voilà. Je crois que c'est Al Miniature, si je dis pas de bêtises. Moi, j'étais voir hier. Voilà. On va faire le filtre. On va attendre que ça sèche un petit peu. Ouais, c'est ça, merci. Je sais pas si vous connaissez. Bah, tu regarderas ça quand vous regarderez ça, t'es trop. C'est lourd hein, ce qu'il fait. Hein. Moi, j'ai vu d'autres photos, d'autres trucs de lui. Ouais, franchement, il a l'air tendu lui. Hein. Les propositions qu'il fait, tout ça, c'est. Il y a des trucs que je connaissais, puis il y a des trucs c'est intéressant à voir. Hein. Il y a pas, je sais pas combien, il y a pas beaucoup de vidéos, je sais pas si elle est vieille sa chaîne, je sais qu'il est déjà lui, c'était un. Il faisait beaucoup de trucs sur Instagram, des photos et tout. Et après j'ai vu qu'il avait fait ça en tombant sur une photo, il devait avoir la chaîne et tout, l'ouverture du truc. J'ai dit putain c'est lourd ce qu'il fait. Du coup, c'est peut-être pas. Je sais pas si j'ai fait les bretelles en marron. Un marron cuir, et essayer de voir si. Ce serait dommage, j'ai peur peut-être que ça. À l'intérieur.
ferais juste un repère en marron, c'est que là, je sais que c'est en cuir, ça. Remarque, le mec, il a raison, un tissu gris, c'est pas con, hein, un gris, hein, parce que les trucs un peu élastiques, je sais pas si ça existait, ça. Les élastiques un peu, bretelles élastiques, mais élastiques durs, hein. En 1916, là, dans ces années-là. Vas-y, je reviens. Je coupe juste mon truc, je vais faire une petite. Je vais laisser sécher. Une petite pause. Une petite pause clope. Hop. Hop. Si vous avez des questions, des trucs. Hop, je me suis gouré. C'est pas celle-ci, c'est ça là. Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est une toile pour ça un peu grisâtre peut-être. Et puis par contre, les raccords au niveau de la fourche de la bretelle, ça c'est en cuir. Ça c'est, je sais pas, parce que j'ai des vieilles bretelles comme ça et effectivement c'est en c'est cette partie-là en cuir. Après, je peux partir sur un gris, hein, franchement. Bouge un peu mes lampes parce qu'elles m'éclatent les yeux. Elle est où? Bon, j'avais un gris pas un gris. Ouais, ou un kaki, hein, c'est pas bête aussi, hein. Kaki, la fourche marron et un kaki peut-être éclaircir le. Après, j'ai peur que ça soit trop proche du pantalon. Ou alors faut l'éclaircir à fond. Bref, ouais, je vais tester, je vais faire un test. J'ai pas du jaune là pour éclaircir. Oh, on va voir, je vais éclaircir.
Ouais, bah dans ce cas-là, je garde cette couleur-là directe, en fait. Ah bah ouais, en fait. Où est-ce qu'il est l'autre? J'ai un autre, c'est pas... Ah voilà, mon beige, il est là. Bah si, le beige, ouais, comme tu dis, fais voir, il est peut-être un peu plus foncé. Il faudrait qu'il soit un peu plus... Ouais, le beige, là, il est bien. Ah voilà, je vois en beige, direct. Et après, je refais le filtre sur la totalité du truc. Par contre, ça, j'ai bien fait de ne pas le faire, le revers sur le ceinturon. Ça va être bien. Pas s'embêter. Hein. C'est une couleur de base là-dessus. J'en ai déjà du beige. Non, c'est pas le beige, j'ai quelques... Non, c'est pas là. Voir. Voilà. Pas assez remué ça. Décoller les pigments au fond. Génial. Quoique l'autre est mieux en fait, il est plus clair. Allez hop, on va partir sur l'autre, sur le US Army, il est bien celui-là. Dans le crew. Place. On va essayer là derrière. Pas évident de caler. Hein. Quoi? Faudra que je refasse un filtre là-dedans. Va falloir que je refasse un filtre, j'ai l'impression. Je crois que mon pinceau, faut vraiment que je le nettoie mieux que ça. Il est trop dégueulasse. Du coup, les pigments, ils sont... Faudrait que j'essaie d'autres marques de pinceaux que ceux-là. Ceux-là sont en poil de martre, c'est comme si je les ai achetés chez Oops Model, ceux-là. Sinon, les autres, je les ai achetés dans magasin d'art. Ça, c'est le truc qui est pénible, c'est ça, c'est quand on passe sous les bras ou les trucs comme ça, ou c'est pas évident.
Faudrait que je refasse un filtre à l'intérieur, on voit que c'est. Tu vois là. Je vais refaire un petit filtre à la fin, en marron un peu plus, coupé avec le noir pour. De toute façon, le filtre, je vais le faire. Oula, mode tremblote. Attends. Vais la poser là, un petit peu. Et mince. Ah ouais, quand tu touches comme ça, ah, je retrempe vite mon pinceau et je vais le ramasser. S'il veut bien. Ah. Ah, je suis en mode tremblote là. Et puis là, il sèche direct en plus. On sait pas, on remettra un petit coup de. On va reprendre. Voilà. Faire la pointe du pinceau aussi. Bon, là, je suis obligé de me rapprocher, désolé, mais c'est trop fin. Tac. Voilà. Oh, c'est derrière. Voilà. Hop, j'ai réussi à la ravoir. J'ai remis un peu plus de pigments déjà, ça va mieux. Elle est chiante cette partie. J'ai frotté là. Pas débordé, pas débordé. Salut Tibart, à bientôt. Merci, merci d'être passé. Merci à toi. Je sais pas s'il y a encore du monde. Ici, il y a encore des gens. Voilà.
Voilà. Hop. Alors là. Pas évident là. On va essayer d'être un peu plus. Pas trop gourmand, voilà, juste ça. Ok, tac tac tac, on va faire ça. Pas évident de tenir une figurine sans un cure-dent des fois comme ça. Pas évident. Oups. Ok, on va faire un petit filtre là sur le ceinturon et sur dans les creux des bretelles là à l'arrière. Sur mon petit support, juste le temps, ça sèche un petit peu. Bon, c'est déjà sec, hein, ça va vite. Oh, ça va, les gars, je vous endors pas trop. On va mettre ça. C'est pas ça, c'est ça. Chaque. Ça va. J'en profite pour nettoyer mon pinceau aussi parce qu'il est dans un état. Je t'explique pas. Il y a Didier aussi, Plastic Dream, là, je sais pas ce qu'il devient. Bon, lui, il fait beaucoup plus de vidéos que moi, mais là, je crois qu'il y a une période où il a fait une chambre ou je sais pas quoi. Il est peut-être un peu moins présent. Puis lui, c'est pareil, il a beaucoup de maquettes en cours. Vlalmai aussi. Bon, après, contrairement à moi, il a énormément de contenu aussi. J'ai aussi un. Le F16 et le Spitfire. J'ai un Spitfire aussi, le Spitfire 1.48 en stock. J'ai vu ça, j'ai fait ça. Il y a moyen de faire quelque chose de sympa aussi.
Ouais, il a raison. Mais moi, c'est pareil, hein, pendant les vacances, je serai pas souvent là. Il fait une petite pause, bah il a bien besoin aussi. Didier, ouais. Et j'ai mon Spitfire aussi, moi. Didier l'a fait aussi, je crois, il y a un bout de temps. J'ai mon Spitfire à faire. Un Spitfire. Mais bon, là, ça change. J'aime bien les figurines WWE. Celle-ci, je prends un vrai plaisir à faire ces figurines. De toute façon, si ça me plaît pas, je prends pas de plaisir. Bon, comme ça. Alors, le filtre TACANT. Je vais en profiter pour faire un ras de la zone là, ici. Et là-dedans, là, c'est là où je voulais le faire. Petite pointe là-dedans. Couvrir un peu ça. Au final, il n'y a pas énorme différence avec le... Avec le ceinturon et le... Ok, tiens, je vais en profiter pour faire foncé. J'ai un peu plus concentré là, pigment ici. Hein. Bon, après ce soir, je vais essayer de. On est déjà le soir, mais je vais essayer de voir comment je peux faire pour remettre la rediff sur le. Je sais pas si ça intéressera des gens. On va essayer de voir si je peux mettre la rediff sur YouTube. Comme ça, au moins, toujours intéressant, non, je pense, de pouvoir mettre un. Mais mon filtre là, je l'ai pas assez con. Ah ouais, je l'avais pas assez concentré en fait mon. Tu vois, j'ai fait. Il est pas assez concentré en pigment, du coup ça va pas dans les coutures. Tout de suite, t'as vu la couture comment ici elle est ressortie. Quitte à repasser après, c'est pas grave. Hein.
C'est bon. On va refaire un petit brossage là, parce que c'est très fin. On va attendre que ça sèche. Voilà, j'ai pas fait ici. Voilà. Faire les arêtes un peu. Petit peu mieux. Ouais, pas. Là, sous la ceinture. Ça. On va rééclaircir un peu. Freeman, moi j'ai une DeLorean vers le futur 2. Ah ouais, elle est sympa la DeLorean aussi. Hein. Franchement, un beau truc à faire. Bien sympa avec. C'est chouette. Ah, c'est le genre de maquette que je fais pas du tout même, mais ouais, pourquoi pas. Il y a tellement de choix en fait, tellement de choses à faire. Ok, on va reprendre le beige. Non, c'est pas sec encore. Faut attendre que ça sèche. On va refaire les lignes, les arêtes déjà, faire ressortir. En attendant que ça sèche, je remets son. J'ai un marron. Un marron là. Un peu plus clair pour faire le cuir. Le cuir, après le cuir, tu peux. On pourrait le travailler poussé, mais pour un petit truc comme ça autour, ça vaut pas le coup. J'ai pas remis. J'avais oublié de remettre ça. Ouais, c'est sûr. Mais moi, je suis ouvert sur tous les sujets. Hein. Franchement, ma quête, du moment que ça me plaît, j'ai pas trop de limites. Hein. Je pourrais. Moi j'aime bien, hein. Je kiffe aussi les. Passer sur la couleur de base là les. Pour les extrémités un peu des. En beige. Hop. Essayer de.
Beige. Non, parce que j'ai coupé un peu de blanc, je crois. Comme ça. C'est de voir si ça le fait comme ça. Oh, c'est pas mal hein, quand même. Pourrait être mieux. C'est juste de faire un rappel là. Sur les. C'est dilué, ça va se voir de trop à contraste. Oh pardon, je suis pas dans l'axe, mais c'est pas grave. Pas facile. Tac.
Bon, ben voilà, ouais, c'est ça comme ça. Ça ira bien. C'est de... Voilà, ici, peut-être un petit peu là. Bien. Ici, c'est chaud là, si je peux. Ok. Ah ouais, bah vas-y, les figurines foncent, c'est sympa à faire. Bon, c'est long. Il y en a, ils vont très vite, tu vois. Moi, j'y arrive pas. Je prends mon temps et j'aime bien faire comme ça. Peut-être que je suis même pas sûr qu'avec le temps j'irai de plus en plus vite. Ah si, je vais déjà un peu plus vite qu'avant. Je pourrais avoir... Avant, je mettais 40 ans pour faire un truc, mais bon, on est obligé d'apprendre, tu vois. Si je vais trop vite, au final, je fais n'importe quoi et du coup, j'apprends pas quoi. J'apprends pas bien parce que. Ok, bon, voilà. Je vais peut-être faire couleur de base sur le. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que je resterai comme ça au final. Hein. Honnêtement, je le laisserai comme ça. Bon, après. Je laisserai comme ça. Je vais faire les chaussettes là. Les chaussettes, par contre, c'est un vert. On est plus sur. Au début, je voulais le faire en pur uniforme. Je le trouve limite pas assez foncé. Alors, est-ce que je pourrais le foncer un peu? Ce serait bien. Je sais pas. Faire ce que j'ai en vert. Je regarde les verts que j'ai. J'avais vu un. Je les ai vus en vert, mais quel vert? Va falloir que je me note tout ça sur un papier. Si, ça, c'est pas mal, ça. Ah non, c'est le réactif. Quoique si, c'est pas mal. Vert. Fais voir. Il y en a un qu'il faut pas que j'utilise. Il n'y a pas un vert militaire tout simple là? Fais voir ça. Vert militaire à fenêtre. Medium olive. Non, c'est pas ça. Germany field gris. Non, c'est pas ça. C'est avec ça. Longtemps qu'il a pas servi non plus. Cette couleur là, mais je sais pas, ça me paraît un peu peut-être l'éclaircir avec le lily. Bon, je fais un test, j'ai pris une autre couleur, mais je vais essayer de voir si ça me plaît ou s'il faut le. Peut être pas mal, mais je vais l'éclaircir un peu. Et par contre. C'était crade autour du bouchon là. Oh. C'est chiant ces trucs là, ils sont pas bien et enfin, c'est pas bien étanche en fait leur truc à chaque fois, tu vois, au fond, il n'y a pas un truc qui te bloque bien le truc. Pour... Toujours ça en fout partout. Ça, je trouve ça un peu dommage leur truc, ils devraient un peu améliorer ça. Ouais, c'est pas mal, je vais partir sur cette couleur là et je vais l'éclaircir un peu avec le. Avec l'US Army là. Et... Le beige. Hop. Oh, faut vraiment que je me note ça là parce que. Ouais, je vais faire ça. Et après, je vais la réclaircir, ça va le faire. Ça va le faire.
Fais voir, je recheck un peu là. Oh, à peu près sur, sur un jaune, ils ont fait ça, c'est bien. En fait. Non, la couleur me plaît pas, je voulais voir, mais le mélange me plaît pas, je vais pas partir. Bon, on va voir, je sais pas, je vais déjà faire un. Le filtre, il va me foncer un peu ça, je pense. J'étais un peu fort en peinture. Trop épais. Que ça sèche un petit peu. Puis après, ça. Oh là, même il est quelle heure là? C'est l'heure de la. L'heure de l'apéro, c'est passé là. Ouais, 20h. Bon, je pense que je vais m'arrêter là et je finirai tranquillement, sinon ça va faire beaucoup trop long. Puis après je vais aller manger, même. Je devrais des. J'aurais bien voulu la finir, mais j'ai encore les petites chaussures, tout ça, mais bon voilà. On va passer un petit moment ensemble, c'est toujours mieux que. Que rien, comme on dit. Tac. Pour un dimanche, bon, je finirai de nettoyer tout mon matériel. Ça, je vais me le noter. Se mettre ça que quand on en a marre, il faut arrêter. Ça fait combien? Ça fait. On est resté combien de temps? On est. Ça fait. Je vois pas le temps dessus. 2h52, ce qui est pas mal. Ah, salut Marc. Ça va et toi? T'arrives quand ça se termine, je te jure. Ça fait 2h50. Ça fait 2h52 qu'on est là et bah là j'ai arrêté là. Mais je vais remettre la rediff. Je vais essayer de mettre de toute façon la rediff. Allez, Asra, si tu veux voir. Enfin, j'espère que tu vas bien. Ça faisait longtemps, ouais, c'est ce que je disais. Manque de temps, les beaux jours en plus ils vont arriver et tout ça.
Et voilà, ah, pas de chance, c'était raté. Peut-être que tu travaillais, peut-être pas le dimanche, mais. Mais tu vois, j'étais en train de faire. Ah ouais, mais ouais, tu vois. Puis là, j'arrête, je te dis pile poil là. Ouais, de rien, Freeman. Ouais, t'inquiète, on va essayer de voir dès que j'ai un peu de temps. Faut faire ça. Et ouais, bah Marc, tu regarderas la rediff. Et puis, bah, de toute façon, j'essaierai là de voir en semaine d'en retaper un petit truc, voir si elle a le temps. Mais le problème, c'est que la figurine, elle sera finie. Bon, j'avais déjà commencé le haut en fait. Et puis voilà, on a fait ça. C'est un petit projet qui va aller avec ça. Tac, en fait, voilà. Puis j'avais acheté ça, j'avais ça en stock. En fait, j'avais ces deux-là, tu vois. ICM. Tac, pour faire ça. Première guerre mondiale australien. Et voilà la petite fille qui prend Macron en vacances, les gars. Avec la cartouchière, quoi. Bon, mais sur ce, désolé Marc, mais bon. La petite rediff, moi je vous dis à bientôt les gars. Prochain live, je sais pas. Je peux pas vous promettre parce que là j'ai vraiment eu un petit peu de temps, donc c'était l'occasion pour faire ça. Et puis, puis on essaie de se remettre un truc la suite ou voir. On verra. On verra. Ça sera la surprise. Sur ce, merci d'avoir été là. Et merci, on était 3 ou 4, donc normal hein, sur Twitch, en plus le dimanche après un bon petit arrêt. Mais j'essaie de la remettre sur YouTube, comme ça les gens pourront regarder, ça peut les intéresser. Allez les gars, ciao ciao, merci, à bientôt. Passez une bonne fin de dimanche et puis portez-vous bien. Merci, merci à tous les gars, ciao ciao.